tous, bienvenue à Hawaï pour le triathlon le plus célèbre et le plus prestigieux au monde, le fameux Ironman d'Hawaï. Un Ironman, Jean-Christophe, qui fait toujours figure de référence. Effectivement, l'Ironman d'Hawaï, c'est la référence en matière de triathlon. Tout triathlète qui un jour goûté au triple effort a envie de venir un jour se lutter ici sur cette petite île perdue dans le Pacifique à Kona pour essayer de s'affirmer comme un grand triathlète, parce que de toute façon, à partir du moment où on franchit la ligne à Hawaï, eh bien on peut se considérer comme un grand triathlète. C'est vraiment la référence suprême. La référence suprême est un programme suprême aussi, 2,4 miles de natation, c'est-à-dire environ 4 km, 112 miles de vélo, 180 km, et puis enfin, pour terminer les réjouissances, 42 km, un marathon complet. Bref, les meilleurs messieurs vont espérer mettre autour de 8 heures, les meilleures féminines autour de 9 heures, et les autres beaucoup plus. Les autres beaucoup plus. À Hawaï, le temps limite est fixé à 17h, c'est-à-dire que le départ ayant lieu à 7h le matin, on ferme à minuit, et jusqu'à minuit, il y a la foule pour accueillir tous les participants, tous les derniers arrivants à Hawaï, et c'est un petit peu ce qui fait aussi cette magie à Hawaï, alors que là, on a vu pour la Newbie Fraser, et on est en train de revenir sur des images douloureuse pour elle, c'était l'an passé, à 400 mètres de la ligne. Paula qui n'avait pas pu aller plus loin. Elle était en tête de la course et il lui avait fallu plus de 20 minutes pour récupérer. Elle avait finalement terminé à la quatrième place alors qu'elle était en tête. Et il lui avait fallu énormément de temps pour récupérer. Et voilà, on la voit passer la ligne. Là, c'était l'an passé, ça. Et Paula, on ne savait pas trop si elle allait venir à l'issue de l'Ironman du Canada. Au mois d'août, elle avait dit, de toute façon, ce sera un big no, un grand non, je ne viendrai pas. Et 4 jours avant la course, la dépêche est tombée. Paula Newby-Fraser viendrait pour s'aligner sur la course à Hawaï pour une hypothétique 8e victoire, pourquoi pas. Oui. Paula Fraser qui... très certainement sera à surveiller aujourd'hui et qui nous disait je suis allé chercher mon dossard et j'ai vu Karen Smyers et j'ai pensé et bien elle est un petit peu nerveuse ce matin. Vous êtes nerveuse Karen Smyers parce que 4 jours avant c'était elle la grande favorite, elle qui avait gagné l'an passé en 95 et là 4 jours avant la course on lui annonce que Paula Newby-Fraser va finalement venir. C'est pas vraiment une bonne nouvelle que d'apprendre que Paula qui a quand même gagné 7 fois ici à Hawaï et bien vienne s'aligner finalement sur la course. Bon, elle sourit un petit peu, Karen, mais sourire peut-être un petit peu crispé. Hein. Oui, effectivement, elle l'a avoué, elle a dit « je suis un peu nerveuse, mais bon, j'ai vu Paula et je me suis dit que de toute façon, on allait bien s'amuser ici toutes les deux. » Alors, on espère qu'elles vont bien s'amuser parce que le programme est corsé. Les derniers préparatifs juste avant de s'élancer à Hawaï. À Hawaï où, bien évidemment, il faut partir très très tôt le matin. D'abord parce que la compétition dure très longtemps et puis aussi parce que la chaleur est au rendez-vous. La chaleur est au rendez-vous. Le départ est traditionnellement fixé à 7h le matin. Vu les conditions climatiques qui règnent à Hawaï, pas de problème pour aller se baigner dans les eaux du Pacifique, même en baillot de bain, même à 7h du matin. L'eau est suffisamment chaude. Et puis, c'est vrai que la journée va être très longue et surtout très chaude parce que même à cette époque de l'année, il fait très chaud, très humide. C'est une chaleur poisseuse un peu. Alors que là, on voit Lothar Leder, un des grands triomphateurs de cette saison, le premier homme à courir un Ironman en moins de 8 heures. C'était à Roth, c'était au mois de juillet, 7h57.02. Il est là présent. C'est un des favoris de la course également, avec Thomas Ehlriegel que l'on a vu juste auparavant. Thomas Ehlriegel, allemand lui aussi, deuxième l'an passé, vainqueur de l'Ironman du Canada, un vainqueur très impressionnant. C'est pour beaucoup d'observateurs l'un des grands favoris, au même titre que Greg Welch. Greg Welch. Les Allemands qui sont venus ici très nombreux, il y aura au moins 5 Allemands à surveiller. On pense aussi à Jürgen Zach et Wolfgang Dietrich, alors que Greg Welch, l'Australien, fera partie une nouvelle fois des favoris. Il avait remporté le triathlon d'Hawaï en 94. Là, on voit Dave Scott, 42 ans. Il avait fait un comeback à 40 ans il y a 2 ans. Il avait terminé deuxième. Il a fait une petite année de pause. Et là, 42 ans, il revient
pour la dernière fois, c'est ce qu'il dit, mais enfin on va peut-être le croire cette année. Oui, et bien, 42 ans, voilà. 6 victoires. Hein, 6 victoires, le record, le man, l'homme, comme on l'a surnommé, et c'est un surnom qu'il n'a pas usurpé, et là, 42 ans, eh bien, il vient une nouvelle fois s'offrir ce grand défi, celui d'Hawaï. On peut être un petit peu circonspect, parce que c'est vrai que même si c'est Descott, à 42 ans, qu'est-ce qu'il va le faire face aux Allemands qui sont quand même tous relativement jeunes, qui ont moins entre 25 et 30 ans, face à Greg Welch, c'est une petite interrogation de savoir ce que Descott va faire. Pour lui, il a peut-être l'expérience, parce que comme disait justement Mark Allen, c'est vrai que l'expérience joue aussi beaucoup dans ce type de compétition. Alors une compétition que vous connaissez bien, Jean-Christophe, parce que vous avez une particularité, c'est que vous êtes à la fois athlète, enfin triathlète et journaliste, vous travaillez pour Triathlon Magazine, ce qui vous permet d'avoir une approche de l'Ironman d'Hawaï des deux côtés. Voilà, c'est vrai que en ayant fait des Ironman moi-même, on ressent un peu mieux ce que peuvent ressentir les athlètes, les triathlètes au moment du départ, cette concentration. Et c'est vrai que pour avoir été à Hawaï, je connais un petit peu les conditions dans lesquelles cette course s'effectue, des conditions véritablement très très dures, parce qu'encore une fois, ce sont des conditions climatiques très pénible, très dur, cette chaleur humide, un taux d'humidité très important. Et dans l'après-midi, dans les champs de lave, il fait 35, 36, 37 degrés. Pas un poil d'ombre. Pas un petit peu de vent, mais pas suffisamment pour rafraîchir. Et là, finalement, là, à 7h du matin, c'est le seul moment de fraîcheur de la journée. Autant en profiter. Le programme n'a pas découragé les concurrents. Il est en fait 1400 concurrents qui sont empressés ici dans la baie pour le départ, la baie de Kailua. Alors vous le voyez, toutes sortes de compétiteurs et notamment aussi des handicapés. En fait, c'était David Lindsay qui était une ancienne gloire du football américain, qui a eu un accident et qui maintenant s'est reconverti au triathlon. Voilà, on voit le départ avec juste devant, ce sont les professionnels. Hein, il y avait 129 professionnels, 43 femmes et 86 hommes au départ. Et derrière, c'est la meute. Alors, parmi cette meute, il y a des gens qui sont quand même d'un très haut niveau. Et c'est un petit problème pour les féminines, notamment les nageuses féminines, parce que derrière, ça revient très très vite et généralement, eh bien, on ne s'embarrasse pas, on nage carrément sur les retardataires. Et il y a quelques femmes là-dedans qui vont en éprouver quelques difficultés de voir arriver cette meute, parce que derrière, il n'y a pas de quartier. Hein. Oui, on en parlait, c'est un petit peu un souci, notamment pour les féminines, parce que c'est vrai que lorsque d'autres masculins, entre guillemets, non pro, les doubles, ils n'hésitent pas à faire jouer les coudes. Et lorsqu'il y a, rendez-vous compte, 1400 concurrents ici qui partent dans la baie, certes c'est large, mais enfin ça fait quand même beaucoup, beaucoup de trafic. Et il faut attendre un certain temps avant d'y voir un petit peu plus clair. Oui, surtout que la séparation entre les professionnels et le reste est vraiment infime. Hein. C'est vraiment pour dire qu'on les sépare. Et parce que tout de suite, là, on voit, eh bien, c'est la meute, la ruée vers cette bouée. Parce que c'est un parcours très simple, en fait, un aller-retour en ligne droite. Avec dans la mer, donc, sans combinaison. Ça n'avantage pas forcément ceux qui ont un piètre niveau en natation. Et en plus, il y a un peu de courant dans cette baie de Kailua Kona. Donc, il ne faut pas trop s'égarer. Il faut bien regarder où on va. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce qu'on a du mal à trouver son rythme. On est toujours gêné au départ par quelqu'un. On a du mal à bien se mettre en position pour nager. Et donc, ça peut être embêtant. Là, vous entendez la voix pétition contre les autres. Pour certains, oui. Mais c'est surtout une course contre soi. Et pour tous ceux qui sont présents ici, je pense que vous serez d'accord avec l'analyse du ô combien célèbre Mark Allen. Il sait de quoi il parle, Mark Allen. 12 fois il s'est aligné ici à Hawaï. Les 6 premières fois, il n'a jamais réussi à vaincre. Il a eu quelques incidents, pour ne pas dire des accidents, dont une fois il a carrément terminé à l'hôpital parce qu'il avait vraiment été au bout de lui-même et il en avait porté atteinte à sa santé physique. Et les 6 dernières fois où il s'est aligné, là il a gagné 6 fois. Et c'est vraiment quelqu'un qui sait tout à fait de quoi il parle, parce que s'il a prouvé quelque chose à Hawaï, Mark Allen, c'est bien lui. Alors on a vu dans ce tout début de compétition, c'est l'Allemand Wolfgang Dietrich qui pour l'instant a pris les devants dans la natation.
C'est un grand spécialiste de la natation, Wolfgang Dietrich. Ça fait de nombreuses années maintenant qu'on le voit aux avant-postes en natation. Il avait été un petit peu absent de la scène internationale depuis deux ans. Un problème de genou qu'il a eu énormément de mal à guérir. Là, il est revenu au plus haut niveau. Et c'est Ute Mukkel, sa compatriote, qui chez les filles est une super nageuse très au-dessus du lot. Tellement au-dessus du lot d'ailleurs que sur un championnat d'Europe, il y a deux ans en Allemagne, elle avait carrément terminé devant tout le monde et même devant les hommes. De très belles images en tout cas, restez avec nous. Ironman d'Hawaï, premier tiers, si on peut s'exprimer ainsi, puisqu'on est toujours dans la portion natation. Mais Jean-Christophe, c'est pas vraiment un premier tiers, hein, parce que finalement, la natation ne représente que peu de la globalité de l'Ironman. Effectivement, pour les meilleurs, ça va représenter entre 48 et 55 minutes pour les meilleurs. Une heure pour les moyens, si on peut dire, un peu plus pour les autres, mais c'est vrai que compte tenu de ce qui attend les concurrents ensuite, c'est vraiment juste un petit hors d'œuvre. En tout cas, ça se passe bien pour l'instant pour Ute Mukkel, l'Allemande, qui, on le sait, est une très bonne nageuse, puisque à trois reprises, c'est elle qui a réalisé le meilleur temps des féminines en ce qui concerne la natation ici à Hawaï. Donc peut-être une quatrième victoire, entre guillemets, pour elle dans la portion de natation, avec de très très belles images que nous propose la réalisation américaine ici à Hawaï. Voilà, là on a, pour la plupart des concurrents, on a entamé le retour. On est venu faire le tour de ce petit îlot constitué de bateaux qui sont au large de la côte. Et Karen Smyers là qui est un petit peu au milieu de la meute, hein, on le voit. Oui, on a un peu du mal à l'apercevoir quand même. C'est pas facile véritablement pour les filles là parce qu'elles ont un niveau qui leur permet de nager au milieu des hommes. Et là c'est Paula Newby-Fraser qui elle aussi est quand même une très bonne nageuse. Et l'information c'est que Smyers est en tête par rapport à Fraser, c'est assez rare. Et là, on entend Paula Newby-Fraser qui nous explique justement ce dont vous parliez, c'est-à-dire les problèmes qu'elle a rencontrés avec le trafic. Mais heureusement, cette année, bien, ça s'est bien passé, elle n'a pas été gênée. Ce qui n'aura pas été le cas de Sula Cho, une concurrente américaine qui avait terminé sixième l'an passé. Sula Cho, elle s'est fait un petit peu bousculé, voire un peu plus que bousculé pendant cette ruée de la natation. Elle a été blessée à l'épaule. Elle a tenu à aller au bout. Elle a terminé en plus de 13 heures. Elle a dit qu'elle ne reviendrait plus. Mais c'est la preuve que c'est véritablement sans pitié. Hein. C'est vrai que c'est un problème pour les organisateurs parce qu'il faut à la fois respecter la tradition avec ce départ en masse. Mais il faudrait aussi peut-être, et notamment en ce qui concerne les féminines, trouver un compromis pour, entre guillemets, les protéger un petit peu ce qu'on pourrait appeler des agressions des autres concurrents. Voilà, c'est vrai que c'est une solution qui a été trouvée et testée à Nice, par exemple, où là, on a fait des vagues véritablement bien distinctes pour les professionnels hommes, pour les professionnels femmes. Et on fait partir la masse derrière, mais à une distance suffisante pour que les hommes et les femmes puissent nager en toute tranquillité. Bah, c'est pas encore le cas à Hawaï. C'est vrai qu'il y a un petit peu le poids de la tradition qui veut qu'on parte pratiquement tous en même temps, les champions et les anonymes mélangés. Et bah, c'est difficile de voir changer quelque chose là-dedans, surtout sur un triathlon comme celui d'Hawaï. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie de la magie du triathlon d'Hawaï, alors que les bicyclettes attendent très sagement dans la zone de transition l'arrivée de leur propriétaire qui ne devrait plus tarder. Et vous le voyez, des bicyclettes qui sont bardées de boissons et d'aliments parce que, bien évidemment, il va falloir se nourrir et très longtemps et très régulièrement. Voilà l'arrivée des deux premiers nageurs. Donc on va voir sortir un Américain
Lars Jorgensen. Voilà, il était déjà sorti en tête l'an passé. C'est vraiment le spécialiste de la natation, juste derrière Wolfgang Dietrich et Lars Jorgensen. Eh bien, il a tout simplement le meilleur temps jamais réalisé à Hawaï sur les 3,8 km. De 48 minutes, 48 voilà. minutes 32, c'est vrai que ça va très très vite. Et le meilleur temps, il l'avait réalisé l'an passé en 46 minutes 44 secondes. Voilà Wolfgang Dietrich. Lui, c'est un habitué. Hein. Il a l'habitude de sortir premier, deuxième. C'est rare qu'il ait terminé beaucoup plus loin dans la tente pour la transition. Voilà, on perd un minimum de temps. Et c'est absolument fou de penser que même sur un format Ironman, la zone de transition se passe aussi rapidement lorsqu'on sait que tous ces messieurs vont mettre probablement plus de 8 heures pour arriver au bout de la compétition, mais chaque seconde est précieuse. Et voilà le premier à sortir de la zone de transition, alors que c'est Ute Munkel, comme on pouvait s'y attendre, qui est la première des féminines. Un petit peu de problème, une petite bousculade, mais enfin rien de conséquent. Alors qu'on aperçoit l'Australien Greg Welch, Dave Scott, 4 minutes 30 déjà de retard. Il était environ de la 30e place, Dave Scott, quand il est sorti. On ne va pas trop lui en vouloir avec ses 42 ans. Non, non, c'est quand même une bonne performance quand même. Je pense qu'à 42 ans, il y en a beaucoup qui aimeraient être à sa place. Hein. Oui, alors ce qui nous laisse encore un petit peu d'espoir, et ce qui vous laisse beaucoup d'espoir, parce que, rendez-vous compte, être capable de terminer un Ironman, et notamment celui d'Hawaï, à plus de 40 ans, c'est quand même une très très belle performance. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner, jamais désespérer. Alors qu'on va démarrer la longue portion cycliste, très exactement les 180 km, et que tout ça se passe notamment le long de la fameuse autoroute, la Queen Kaumanu. Alors ici, on appelle ça plutôt la Queen K, ça va plus vite, c'est plus ça simple. Plus vite. En revanche, c'est vraiment une autoroute et très peu d'abris. Ouais, c'est très exposé, voilà, très c'est droite. Une grande route très vallonnée, une sorte de grand toboggan d'asphalte exposé au vent, bien sûr. Il n'y aura pas beaucoup de vent cette année-là à Hawaï. Heureusement pour les concurrents, en tout cas beaucoup moins que l'an passé. Ça, alors qu'on voit Paula Newby-Fraser qui est sortie là. Ute Munkel est sortie devant Wendy Ingram. Wendy Ingram est aussi une américaine très très bonne nageuse également. Elle a trouvé plus forte qu'elle. Et Karen Smyers là qui s'élance, qui est juste devant Paula Newby-Fraser. Quatrième pour l'instant, Paula Newby-Fraser a s'élancé. Mais bon, le vélo c'est son point fort à Paula Newby-Fraser, donc on peut présumer qu'elle va sûrement faire la différence par la suite pour ces 180 km de vélo. Là aussi, c'est pratiquement un aller-retour. Ils partent jusqu'à Hawi. Le demi-tour est déplacé à Hawi, carrément dans le nord de l'île, un endroit où le climat n'est pas tout à fait le même. C'est beaucoup plus vert. Quelquefois, c'est arrivé sur certaines éditions qu'il y ait des petites averses là-bas, complètement dans le nord de l'île. Et ensuite, on redescend. Oui, on retraverse ces champs de lave là où se trouve actuellement Wolfgang Dietrich, qui est en train d'ouvrir la voie pour toute la troupe, les quelques 1400 concurrents. Encore que là, il est en train de rouler, il y en a encore qui sont dans l'eau. Hein. Oui, mais c'est vrai que ce sont des très belles images avec cette autoroute qui traverse les champs de lave et un tout petit peu de verdure autour de l'autoroute. C'est quand même extrêmement spectaculaire, un site très spectaculaire qui est aussi, pour certains, une source de motivation. Parce que la beauté du site, c'est vrai, c'est fort dans l'idée d'avoir participé à ce triathlon. C'est ce côté magique qu'il y a à Hawaï. C'est vrai que c'est pas forcément le plus beau triathlon d'un point de vue esthétique. Mais bon, c'est Hawaï et finalement, eh bien, on a tout dit là-dedans. Et Dave Scott, lui, il y a bien longtemps qu'il ne regarde plus le paysage. Et là, sur le vélo, eh bien, il n'est pas tout à fait au même rythme que Thomas Hellriegel. Oui, Thomas Hellriegel qui fait partie de ce... Voilà, il est en train de doubler cette Scott, délégation allemande. Et on voit la différence de niveau entre les deux. Et Thomas Hellriegel, on le sait, c'est sûrement le plus fort cycliste qu'il y a actuellement dans le triathlon. Alors, est-ce qu'ils ont véritablement décidé en Allemagne qui de lui ou de Jürgen Zak était véritablement le plus fort? Bon, c'est une histoire de possession de pouvoir. Pour l'instant, le record à Hawaï, il appartient à Jürgen Zak. Est-ce qu'il va appartenir longtemps à Jürgen Zak? Eh bien, c'est ce qu'on va voir au long de cette course. Alors que Wolfgang Dietrich est toujours en tête, mais bon, il ne va pas trop insister devant.
Greg Welch est le mieux placé parmi les favoris quand même. Hein. C'est quand même parce que bon, sur cette course quand même, sur la sortie de natation, il y a beaucoup de nageurs hyper spécialistes qui sont là, oui, qui disparaissent, qui ensuite, voilà, qui disparaissent au fur et à mesure de la compétition. Et Greg Welch est le mieux placé des favoris pour se retrouver aux avant-postes. Alors qu'on est en train de voir là une image. Non pas surprenante, mais en tout cas sévère, c'est Luc Van Lierde, le Belge, qui vient de se faire sanctionner. Il devra donc effectuer sa pénalité de 3 minutes, sanctionnée pour drafting. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est le début du parcours, il y a encore pas mal de monde, et cette année, les arbitres étaient très, très pointilleux, en tout cas très sévères. Et là, bon, ils ont considéré que la distance réglementaire avec son suivant immédiat n'était pas suffisante, et donc ils ont sanctionné Luc Van Lierde. Il a cru que c'était un stop and go, comme on utilise généralement les arbitres en Europe. Il s'est arrêté, mais en fait, à Hawaï, on ne s'arrête pas, on est stoppé 3 minutes. À la fin du vélo. À la fin du vélo, voilà, c'est ça. Donc pendant 3 minutes, il devra attendre avant de repartir. Voilà, il sait d'ores et déjà qu'à la fin du vélo, eh bien, il va descendre de son vélo, il va rester 3 minutes dans une espèce de cage, parce que c'est carrément une cage. Et là, il va attendre 3 minutes pour aller, avant d'aller se changer, pendant que les autres eh bien, pourront continuer leur route et partir pour le marathon. Alors ça se passe plutôt bien pour Karen Smyers dans ce décor toujours aussi magique d'Hawaï. Et là, vous le voyez, on respecte tout à fait les distances parce qu'on a compris. Hein, 3 minutes dans la cage, ce n'est pas vraiment le but des triathlètes ici. D'autant que, vous le disiez, c'était au début de la portion cycliste. Et donc, durant les 180 km, pratiquement, il va falloir qu'ils pensent à ça et se dire, ben voilà, j'ai perdu 3 minutes. Il va surtout falloir qu'il essaye d'oublier ça et de gérer au mieux son effort. Alors que là, Karen Smyers est en train de doubler Ute Mukkel, qui est donc rattrapé. C'est Karen Smyers qui prend la tête des opérations chez les féminines. Et Paula Newby-Fraser, elle, est en train de chasser derrière. Il va falloir revenir sur la tête de course. Paula Newby-Fraser, c'est quand même le grand talent à vélo. C'est toujours là qu'elle fait les grosses différences. La chaleur commence à devenir de plus en plus étouffante. Nous sommes proches de la Kuala Coast. Et ces demoiselles et ces messieurs sont dans la première portion des 180 km sur cette longue autoroute qui traverse Hawaï. Et vous découvrez Edgy. Belle performance et belle leçon de courage et belle leçon humaine de la part de Jim Hawley que l'on suivra tout au long de ce triathlon et qui, bien entendu, a pour objectif de terminer dans la limite des 17 heures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Christophe, mais en tout cas, sacré exemple, hein. Sacré exemple, hein, de courage, de ténacité, de... C'est vrai que finalement l'école du triathlon c'est une école de courage, mais alors là dans ces conditions c'est encore plus remarquable. Et là on a vu la tête de course, on a vu Luc Van Lierde, le Belge, devant Thomas Elrigel. Thomas Elrigel que l'on voit là actuellement et qui est un petit peu surpris de voir Luc Van Lierde non pas à ses côtés, parfois devant, souvent derrière. Wolfgang Dietrich, lui, il me semble, a dû être rattrapé ou est sur le point d'être rattrapé parce que derrière, on est revenu. Là, je pense qu'il doit être en train de demander quel écart il lui reste, alors que Thomas Elrigel, qui regardait énormément derrière lui, il était en train de regarder si il creusait l'écart. Ouais, c'est ainsi. Et il allait regarder, mais de façon très insistante derrière lui parce qu'il y avait ce Belge, Luc Van Lierde, que personne n'attendait, en tout cas sûrement pas les Américains. Là-bas, ils se sont très vite interrogés, aussi bien les journalistes que les observateurs. Mais qui est cet homme ? Qui est-il ? Quelqu'un qui a gagné Nice, qui venait de gagner Nice, deux fois vice-champion du monde, champion d'Europe. Bon, pour eux, c'était le grand inconnu. Et ben, il ne va pas le rester parce que là, on va voir que Luc Van Lierde, il va faire quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'est vrai que voilà, Thomas Elrigel qui est en train de rattraper son compatriote Wolfgang Dietrich, c'est pas du tout la même vitesse.
En fait, quand même, la première information, c'est de voir autant d'Européens au premier plan, là, parce que c'est vrai que, et notamment lorsqu'on est en territoire américain, on s'attend beaucoup à voir les Américains, à voir les Australiens, à voir tout le monde, mais on ne s'attendait peut-être pas à un tel festival du côté européen. Disons que les Européens, on les attend maintenant depuis plusieurs années, mais ça fait 19 éditions, et jamais un Européen n'a gagné encore l'Ironman d'Hawaï. C'est bien la preuve que les Américains ont dominé du temps de Dave Scott et de Mark Allen, et il y a eu les victoires de Greg Welch, l'Australien, et c'est vrai que jamais aucun Européen n'a gagné. Et donc, peut-être que ça va venir cette année, mais en tout cas, on les attend depuis quelques années maintenant. Les Européens, on va en parler justement, et on va vous présenter Thomas Elrigel, l'Allemand qui, comme beaucoup de ses compatriotes, s'entraîne à Lanzarote. J'ai commencé le triathlon en pensant à Hawaï. Les années précédentes, j'ai concouru sur la distance olympique. Maintenant, c'est le moment de passer à l'Ironman. C'est la raison pour laquelle je vais tout faire pour être au top à Hawaï. Je pense avoir une possibilité de remporter la course et croyez-moi, c'est facile de se motiver à l'entraînement lorsqu'on pense à Hawaï. Stephen Grosse est mon premier coach. On travaille ensemble pour optimiser au maximum mon entraînement. Non seulement il planifie mon entraînement, mais nous sommes amis maintenant. On travaille très fort pour développer toutes mes qualités. Le matin, je démarre avec le vélo. C'est plus facile après le petit-déj que si je devais courir. Après ça, je nage durant la mi-journée dans le bassin extérieur. Le soir, course à pied. Bref, une bonne journée d'entraînement. Cette année, on s'entraîne moins à Lanzarote. Les années précédentes, on a travaillé plus fort, mais maintenant, avec les jeunes, on est un petit peu plus prudent. Les vieux, comme moi et Lothar, on en rajoute un petit peu plus lorsqu'on a du temps. Le plus important pour moi, c'est de progresser en course à pied et en natation. L'année dernière, à Hawaï, la natation ne s'est pas passée comme je l'espérais. Mais mon but principal, c'est d'améliorer ma course à pied. C'est très certainement en course à pied où je peux vraiment gagner du temps. Thomas Elrigel, c'est un véritable monstre de l'entraînement. Il a avoué être monté à 1000 km de vélo par semaine. Oui, c'est sans compter la natation et la course à pied. Et c'est dire qu'au niveau de l'entraînement, il ne fait pas semblant. Lui et la plupart des Allemands, ils ont des doses d'entraînement absolument phénoménales. Et ça explique à la fois son grand talent et aussi ses très très grosses possibilités. Bon, à vélo, il a le talent, ça c'est incontestable. Et c'est vrai que pour lui, c'est en natation et c'est en course à pied qu'il peut encore espérer effectuer de gros progrès. Et avec l'entraînement qu'il s'inflige, parce que à ce niveau-là, c'est presque, on pourrait presque employer ce terme, eh bien, on peut espérer que ça va payer pour lui, alors que les deux hommes, Thomas Elrigel et Luc Van Liert, viennent de passer le demi-tour. Oui, on voit que c'est beaucoup plus vert ici, là, alors qu'effectivement, il y a du soleil cette année, on l'a vu en d'autres années un peu plus couvert, mais là, cette année, ça aurait été sous le soleil durant toute l'épreuve. Karen Smyers est en tête chez les féminines. Oui, Karen Smyers qui fait un festival là et c'était assez intéressant de voir Luc Van Liert et Thomas Elrigel. Alors que là, Karen Smyers vous explique qu'elle regardait un petit peu où est-ce qu'elle se situait dans la descente en revenant d'Hawaï. Et elle a vu Paula qui avait l'air plutôt bien. Et environ une minute après, elle aperçoit Natasha Badman. Alors la réflexion qui est assez drôle de la part de Smyers, c'est qu'elle dit « Natasha Badman, vraiment je m'en occupais pas, je sais pas trop qui c'est, de toute façon
pour moi, personne n'est intéressant à partir du moment où je n'ai pas à me battre avec elle. Mais elle va se rendre compte assez rapidement que c'est une cliente très très sérieuse, Natasha Badman. Elle a la mémoire courte ou elle ne veut pas s'en souvenir. Natasha Badman lui a collé un quart d'heure lors du parcours vélo de Zofingen cette année. Un quart d'heure, c'est pas rien quand même, et beaucoup plus à l'arrivée. Donc là, c'est peut-être qu'elle ne veut pas s'en souvenir, Karen Smyers. Mais c'est vrai qu'on va peut-être parler de Natasha Badman alors que Wendy Ingram est un petit peu en train de tirer la langue. Et que Natasha Badman, elle, est en train de réaliser un véritable festival à vélo sur son vélo un petit peu futuriste. Elle est sortie très loin de l'eau en une heure pile. Et là, elle est en train de remonter à une vitesse absolument phénoménale. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Avec le sourire, le petit clin d'œil. Ce qui n'est pas le cas de Wendy Ingram qui a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. La Californienne de Walnut Creek. Mais pour Badman, ça va. Pour l'autoroute de la Queen K, chez les messieurs, c'est Van Lierde, le Belge, qui pour l'instant est en tête, en compagnie de Thomas Ullrigel. Et là, les deux hommes, à ce moment-là, ils ont compris qu'ils devaient rester ensemble. Parce que tout en respectant la distance réglementaire, ils ont compris qu'à eux deux, eh bien, ils étaient capables de creuser de gros écarts sur le reste de la troupe. Et pour eux, et surtout pour Thomas Ullrigel, qui n'est quand même pas un super coureur, eh bien, il sait que c'est là l'une de ses grandes chances. Alors, c'est un petit problème technique pour Greg Welch. Il est bien emmêlé sa chaîne, hein. je sais pas comment il a fait son compte. Greg Welch, pourtant vainqueur ici en 94, qui a l'habitude. Là, vous découvrez Jürgen Zak. Zak Attack qui fait partie de ces Allemands qu'il faut surveiller. C'est le recordman au niveau du temps vélo, Jürgen Zak, ici à Hawaï. 4h27.42, il avait réalisé ce temps en 1993, une année où Mark Allen avait gagné Hawaï pour la cinquième fois. Greg Welch est lui aussi, malgré tout, bien placé parmi les hommes de tête. Mais c'est vrai que l'écart se creuse avec Luc Van Lierde et Thomas Ullrigel, parce que derrière, bon, il n'y a pas forcément la même organisation que les deux. Et puis les deux devant, c'est quand même de sacrés furieux. Hein. Ils sont partis sur un rythme absolument démentiel. Et c'est vrai que pour tenir ce rythme, eh bien, Dave Scott, là, lui, il est en train de naviguer à vue, parce qu'au demi-tour à Hawaï, il était pointé à un quart d'heure des hommes de tête. Ça veut dire qu'il commençait à être quand même relativement loin de Thomas Ullrigel et de Luc Van Lierde, qui eux sont véritablement en train d'ouvrir la route à une vitesse absolument extraordinaire. D'autant plus que cette année, il n'y a pas trop de vent. Et donc, ils profitent à fond de ces conditions pratiquement idéales pour le vélo. Et bien, le record de Jürgen Zak va être en grand danger. Alors que là, c'est Paula Nubi-Fraser, la Zimbabwéenne. Pour elle, ça se passe bien. Alors c'est vrai que c'était un petit peu le gros point d'interrogation, hein, parce qu'elle avait dit qu'elle ne venait pas, finalement elle vient. Et puis ça s'était très très mal passé, en tout cas physiquement, l'année dernière pour elle. Mais c'est vrai qu'elle a pour elle l'expérience. Si elle vient ici, c'est qu'elle est très certainement prête. Et d'ailleurs, on va... elle fait les commentaires où elle dit que... Ou elle dit qu'elle ne va pas trop s'occuper, Smyers ne va pas trop s'occuper de Paula Nubi-Fraser, parce qu'elle se dit qu'elle doit probablement essayer de l'impressionner et que finalement elle n'est pas tellement loin de la ville et qu'elle préfère attendre un petit peu la course à pied, se réserver pour la course à pied. C'est vrai, ça aussi c'est un des aspects, notamment avec la règle du drafting, c'est essayer de s'impressionner, parce que lorsqu'on double, on a peut-être tendance à en rajouter un petit peu plus sur les pédales, histoire de faire un peu plus d'effet. C'est vrai, et puis surtout Karen Smyers, elle est surtout très contente, très satisfaite, alors qu'ils sont sur le demi-tour déjà, de voir que Paula Nubi-Fraser vient à peine de la passer, parce qu'il y a eu des... en 93, l'année où Karen Smyers a participé pour la première fois à Hawaï, eh bien, Paula Nubi-Fraser était loin, très très loin devant elle, et là, elle est en train de voir que les écarts seront finalement assez réduits à l'arrivée au parc vélo, et donc elle aura toutes ses chances pour le marathon, si elle est capable de courir comme l'an passé en 3h05, et ça, ce sera une autre histoire. Alors que parmi les hommes qui sont à la poursuite de Luc Van Lierde et de Thomas Ullrigel, qui sont en train d'arriver là du côté de Ali Drive et de Kona, eh bien, il y a Peter Reed, le Canadien, il y a Jürgen Zak, il y a Greg Welch, et ces trois hommes-là sont en train de mener la chasse derrière Luc Van Lierde, quand on vient de passer à l'instant, et derrière
Thomas Hellriegel. Et là, ça va très très vite dans la descente. C'est vrai, et comme toujours, le public est venu nombreux encourager ici tous les concurrents. Et le temps est magnifique. Hein. En plus, les conditions sont idéales. Il n'y a pas trop de vent. Bon, alors, en revanche, on nous montre les vagues, mais il ne faut pas se laisser impressionner. Hell on Wheels, l'enfer sur roues, c'est le surnom que les Américains ont donné à Thomas Hellriegel. Et c'est à peu près ça hein, aujourd'hui, parce qu'il fait lui aussi un véritable festival en compagnie de Luc Van Liert. C'est vrai qu'on attendait Thomas Hellriegel, mais Luc Van Liert, c'est la grande surprise pour les Américains et qui est en train de réaliser quand même une super course. Alors que là, c'est la dernière côte avant d'arriver... bientôt au parc de transition. Elle est très difficile cette côte, elle n'est pas très longue, mais on est environ au 177e kilomètre, il reste 3 petits kilomètres à peine, et celle-là elle fait mal aux jambes. Et voilà, c'est la descente là, la dernière descente vers le parc de transition. Là c'est un moment plutôt agréable, on se dit qu'il ne reste que le marathon à parcourir, mais on en parlait un petit peu avant de prendre l'antenne, c'est vrai que le départ qui suit juste la transition, le départ de la course à pied est très éprouvant. Et très éprouvant, et là voilà, Luc Van Liert, voilà, oui, qui va faire ses 3 petites minutes dans sa cage. Allez, s'il vous plaît monsieur Van Liert. On se croirait un petit peu au hockey sur glace là avec les maillots zébrés des arbitres. 3 minutes de pénalité pour Luc Van Liert. Voilà, un petit peu désappointé parce que c'est vrai que... Voilà, on lui dit. Asseyez-vous et attendez. Il ne comprend pas bien ce qui se passe. Hein. Il se dit, ils sont fous les Américains. Mais enfin bon, bref, je vais me reposer. On me propose 3 minutes, je vais les prendre. Voilà, pas vraiment le choix. La transition de Thomas Hellriegel, c'est quand même pas la même transition que sur un distanceur. Non, non, lui aussi, il s'assoit tranquillement, il met ses chaussures. Voilà. Et c'est parti pour Thomas Hellriegel. Plus que 42 km, oui. Si on peut dire comme ça. Et le début de la course à pied, le début de ce marathon. Qui demande un petit peu, mais alors par où je vais passer moi en sortant de ma cage? Les commissaires de course sont très présents et zélés et efficaces. On va lui expliquer par où passer. Vous faites pas de soucis pour notre ami belge. Van Liert, c'est à noter quand même, hein, parce que vous parliez de son palmarès. Et c'est vrai que les Américains se demandaient un petit peu qui était ce triathlète belge, mais c'est quand même sa première participation à l'Ironman d'Hawaï. Voilà, un Ironman de... Carrément un Ironman. Ouais. C'est la première fois que Luc Van Liert participe à un Ironman. Il n'a jamais couru de marathon. Et donc, c'est la première fois qu'il est à Hawaï. Donc, rien ne plaît dans sa faveur. Voilà, parce que c'est la légende qui est aussi sur terrain inconnu. Voilà, la légende hawaïenne veut qu'un débutant ne puisse pas réussir pour sa première participation parce qu'il n'a pas l'expérience. Et bien on va voir ce que ça va donner avec Luc Van Liert qui prend le soin de mettre des chaussettes et c'est important quand il reste 42 km à faire avec la chaleur qu'il va y avoir en plus. Hein. Alors que Paula Newby-Fraser eh bien, est en tête des opérations chez les féminines. Enfin en tête, Natasha Badman n'est pas très loin. Oui, d'autant que Paula Newby-Fraser va devoir faire 3 minutes aussi de pénalité. Elle nous dit, quand j'arrive au niveau d'Ali Drive, en fait, je ne me suis pas stressé au sujet de ma pénalité. Je me dis, bon, ça va bien se passer, cela ne me dérange pas de m'asseoir pendant 3 minutes. Chez moi, lorsque je m'entraîne en vélo ou en course à pied, je démarre tranquille. Je m'assois toujours 5 minutes avant de commencer. Là, c'est pareil, comme à la maison, comme à l'entraînement. Alors, on va voir si ça se passe comme à l'entraînement pour elle, mais effectivement, c'est une bonne façon d'approcher les 3 minutes de pénalité. Voilà, elle n'est pas trop inquiète, Paula Newby-Fraser. Elle a l'expérience. Et puis, une petite minute à peine hein, derrière elle, c'est Natasha Badman là, qui a fait une remontée absolument ahurissante. Elle est sortie 315e de l'eau. Hein. Ouais, c'est absolument fabuleux. Et ce qui est d'autant plus fabuleux, c'est qu'elle ne change pas. Elle est toujours tout sourire. On a l'impression que rien ne peut l'atteindre. Elle est toujours sur un nuage, sereine, fraîche, ce qui est assez rare parce que lorsqu'on peut commencer à voir les visages de tous ces athlètes, pour certains, ils commencent vraiment à être très très marqués. Ouais, surtout que Natasha Badman va signer ses 180 km en 4h53. Le deuxième meilleur temps, ça sera Paula Newby-Fraser en 5h01. Donc on voit l'énorme différence qu'a fait Natasha Badman à vélo et on comprend que même en étant sortie aussi loin en natation, eh bien, elle soit aussi prête à la fin du vélo. Peter Reed et Jürgen Zack là, qui arrivent à la transition alors que Thomas Hellriegel, lui, il est parti.
Il est parti. La question pour Al Riegel, c'est combien de temps est-ce qu'il va rester en tête? Est-ce que quelqu'un va venir le rejoindre? Parce que maintenant, il est seul. C'est vrai que celui qui était avec lui, Luc Van Dierde, a pris 3 minutes. Donc 3 minutes, c'est à la fois peu et beaucoup, mais en tout cas suffisamment pour qu'il se sente un petit peu seul, là, en course à pied pour l'instant. Il faut savoir que par rapport aux deux hommes de tête, derrière les Peter Reed, Jürgen Zak, Greg Welch était entre 8 et 10 minutes derrière les hommes de tête. Donc il y a 8 à 10 minutes quand même d'écart entre Thomas Helriegel, Luc Van Lierde et les poursuivants. Et là on retrouve, si je puis dire, une autre leçon colossale de courage, parce que c'est notre ami amputé des deux jambes qui lui aussi va faire ses 180 km avec des prothèses. Alors pour avoir commenté aussi les Jeux paralympiques, rendez-vous compte de l'effort et du courage qu'il faut à tous ces athlètes pour participer sur les mêmes distances et dans les mêmes conditions à cet Ironman d'Hawaï. Une nouvelle fois, je crois qu'on peut véritablement les applaudir, en tout cas être impressionné et respectueux de tout ce courage. Donc les choses sont simples, Thomas Helriegel a 3 minutes d'avance sur Luc Van Lierde. Ils sont arrivés ensemble au parc, mais Luc Van Lierde a pris ses 3 minutes de pénalité. Derrière, entre 8 et 10 minutes, on retrouve Peter Reed, le Canadien, Jürgen Zak, l'Allemand, et Greg Welch, l'Australien. Voilà le top 5 de ce Hawaï 96 au départ du marathon. Et maintenant, eh bien, est-ce que Thomas Helriegel va avoir suffisamment de ressources pour résister au retour des hommes derrière? Est-ce que les hommes derrière ont suffisamment de ressources pour revenir sur Thomas Helriegel? Ça aussi, c'est une question. Et est-ce que Greg Welch va aussi lui réussir? C'est un super coureur à pied, on le sait. Est-ce qu'il va réussir à revenir sur la tête de course? 8 minutes d'écart, ça fait quand même beaucoup. Et Thomas Helriegel, il est capable de courir en 2h50 et quelques. C'est quand même un très haut niveau, donc ça va être la suite et la fin de ce suspense à Hawaï 96. Voilà, pour avoir toutes les réponses à toutes ces questions, et eh bien surtout vous restez avec nous et vous profitez de ces très très belles images de l'Ironman d'Hawaï. Natasha Badman, la Suissesse, qui pour l'instant fait partie des femmes de tête. Et ça, c'est une bonne nouvelle du côté suisse. De toute façon, on vous l'a dit, ça se passe très très bien du côté européen. Voilà, les dames qui ont droit à une petite cabine pour la zone de transition, c'est tout naturel. Et juste avant la coupure, on a vu arriver Dave Scott. Il naviguait à ce moment-là aux environs de la 30e place. C'est dire s'il avait quand même pas mal coulé là sur le parcours vélo. Ça avait déjà été pas génial au niveau de natation, 30e place, mais ensuite vélo, il a complètement sombré, Dave Scott, et à ce moment-là de la course, eh bien, on s'interroge quand même sur le bien fondé de son retour. Mais alors que là, oui, on a une image aussi, le leader, enfin l'un des leaders, Luc Van Lier, qui a dû purger ses 3 minutes de prison, ses 3 minutes de pénalité. Eh bien, c'est la même chose pour Paula Newby-Fraser, qui elle aussi va devoir purger 3 minutes de pénalité pour drafting. Alors que là, c'est Smyers qui passe. Il faut savoir, vous parliez de Dave Scott hein, quand même, que pour ceux, si éventuellement ça existait, qui ne connaîtraient pas Dave Scott, il a quand même gagné ici à 6 reprises. Sa première participation, si je ne dis pas de bêtises, date de 1980. Il devait avoir 26 ans et il en a 42 maintenant, donc il connaît bien le parcours ici. Est-ce que ça va être suffisant cette année pour de revenir se mettre... C'est une autre histoire. Hein, parce qu'à 30e place, ça fait quand même très loin. Et Karen Smyers, c'est elle, encore une fois, eh bien, toute heureuse d'être si près, aussi proche de Paula Newby-Fraser et de Natasha Badman. Elle sait qu'elle va lutter à armes égales, finalement, sur ce marathon, qu'il n'y a pas des écarts monstrueux à réduire. Et pour elle, qui a couru en 3h05 l'année passée, il ne faut pas l'oublier, eh bien, c'est un temps qui lui permet d'espérer, d'espérer la victoire, tout simplement, même si Natasha Badman est une athlète pratiquement spécialiste. Elle a été vice-championne du monde en 94 et c'est une super coureuse à pied, donc ça risque d'être une sacrée bataille pour la victoire chez les féminines. Alors que là, Thomas Helriegel, vous découvrez le physique impressionnant de Thomas Helriegel. Karen Smyers, on en parlait, mais c'est vrai que l'américaine
a fini déjà deux fois sur le podium. Elle a remporté l'année passée. L'année précédente, elle avait terminé deuxième. Il y a deux ans, quatrième. Bref, elle est quand même dans une bonne dynamique et on pourra compter sur elle, tout comme côté masculin, sur Luc Van Lierde, mais lui qui a un parcours tout à fait différent, puisqu'il fait partie de ce qu'on appelle les rookies ici à Hawaï. C'est la première fois qu'il participe à cet Ironman d'Hawaï. C'est la première fois tout court qu'il participe à ce format de triathlon, alors que ce n'est pas du tout le cas de Greg Welch, l'Australien, qui lui a remporté cette compétition en 94. Ce qui est assez remarquable avec Greg Welch, c'est que depuis 89, date de sa première apparition à Hawaï, il n'a jamais terminé au-delà de la sixième place. Il a abandonné en 93, mais sinon jamais il n'a terminé au-delà de la sixième place, et c'est quand même la preuve d'une permanence au plus haut niveau qui est quand même assez remarquable. Greg Welch, qui quelques semaines auparavant avait été sacré champion du monde longue distance à Muncie aux États-Unis. I notice that she's hugging the left-hand side of the road where it's a little shadier. She's not interested in trying to run any of the tangents. Et là, on attend Paula Newby-Fraser qui nous donne une information assez intéressante en disant qu'elle regardait Karen Smyers et elle s'était rendue compte que Smyers ne cherchait pas la distance la plus courte, mais qu'elle essayait de trouver l'ombre près des arbres. Et elle s'est dit, pas de problème, je vais la voir et peut-être bien que ça va se passer comme ça, alors qu'on voit le visage de Karen Smyers, l'américaine, elle qui vient de Lincoln dans le Massachusetts. Et effectivement, Smyers recherche l'ombre, une indication qui n'a pas échappé à la Zimbabwéenne Paula Newby-Fraser, elle qui a remporté ici 7 fois l'Ironman d'Hawaï, avec comme plus mauvais résultat sa quatrième place de l'année passée. Effectivement, et petite précision, elle est américaine depuis cette année. Elle a eu son passeport américain quelques semaines seulement avant Hawaï. Et donc, Paula Newby-Fraser maintenant est considérée comme une citoyenne américaine, même si elle est née au Zimbabwe. Mais c'est tout récent, hein, au moment où Hawaï s'est disputé, il y avait quelques semaines seulement à peine qu'elle avait obtenu son passeport américain. Somebody is not exceptional to me until I have had to do battle with them, really. Voilà Newby-Fraser qui nous donne une information assez intéressante. Elle dit que en voyant Natasha, là, lorsqu'elle l'a observée, elle s'est dit mais qui est cette triathlète? Elle savait qu'elle avait fait de très belles courses cette saison, mais pour elle, personne n'est exceptionnel, je la cite, tant jusqu'au moment où elle n'a pas vraiment à batailler avec elle. Donc ça vous donne une idée des ambitions et de la confiance de Paula Newby-Fraser, toute nouvelle américaine, ancienne zimbabwéenne, alors que pour les messieurs, c'est toujours un combat européen entre Thomas Elrigel et Luc Van Lierde. Et on va approcher bientôt du juge de paix un peu de ce marathon, à savoir la descente et la remontée sur Energy Lab. Alors qu'on voit que c'est pas le même climat pour l'entraînement de Luc Van Lierde. Non, Luc Van Lierde, on va le découvrir un petit peu mieux, lui qui s'entraîne bien à Bruges, en Belgique. Alors effectivement, il y a un petit contraste en ce qui concerne le climat. J'aime beaucoup nager, mais je pense avoir atteint mon niveau quand j'avais 20 ans. J'ai réalisé un 200 mètres de brasse en 2,23. Jamais j'ai pu faire mieux. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. J'aimais bien courir aussi, mais je n'étais pas très habitué au vélo. À l'âge de 8 ans, mes parents m'ont offert une bicyclette pour mes bons résultats scolaires. Alors j'ai commencé tranquillement à rouler jusqu'à l'âge de 12 ans. Cela m'a bien aidé à démarrer en triathlon, surtout avec mon passé de nageur et mon goût pour la course à pied. L'entraînement débute toujours en novembre, où je commence à nager, à courir, et s'il fait froid, c'est pas grave. L'année passée, j'ai terminé deuxième au championnat d'Europe, alors je voulais essayer d'être champion d'Europe cette année, et j'ai réussi. Alors, après ma deuxième place à Nice, lors des championnats du monde longue distance, je voulais essayer d'être champion du monde longue distance à Muncie.
marche. N'attendez pas beaucoup des championnats du monde sur distance olympique. Simplement, je me disais que les Européens étaient très forts comparés aux autres ces dernières années. Et il y avait toujours 5 ou 6 Européens dans le top 10 et j'espérais une médaille. J'ai remporté l'argent derrière Simon Lessing. Pour moi, ma plus grande motivation, c'est que j'aime ce sport. Je le sais parce que quand j'ai été blessé, quand j'ai eu des problèmes, quand j'avais des soucis avec mes sponsors, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie aussi. Je me suis marié, j'ai eu un fils et jamais je n'ai voulu arrêter le triathlon. Vraiment, j'adore ce sport, c'est ma motivation numéro un. Luc Van Lierde, un homme que rien n'arrête dans sa détermination et son objectif d'être toujours plus performant en triathlon. Et Luc Van Lierde, on l'a vu apparaître en 1990, parce que cette année-là, lors des championnats du monde à Orlando, en 1990, il avait terminé quatrième, il était tout jeune, il avait 21 ans à peine. Et ensuite, il a eu toute une série de pépins, d'années blanches, à la suite de blessures. Il a même eu un accident, il s'est fait renverser alors qu'il était en train de faire un entraînement à vélo. Et ça explique un peu toutes ces saisons blanches où on ne l'a pas vu, Luc Van Lierde. Et là, il est en train de revenir au plus haut niveau. Il n'a pas de blessure, il n'est pas embêté par les blessures. Et il est en train de montrer tout son potentiel. Et il a un sacré potentiel. Et alors pour l'instant, un potentiel exceptionnel parce que... Malgré ces 3 minutes de pénalité, il est en train de revenir très très fort. Voilà, on est dans cette fameuse partie du marathon Energy Lab, une sorte de descente où on descend vers la mer. Et c'est pas une descente très impressionnante, mais bon, il faut quand même y aller. Et en bas, c'est véritablement une chaleur de four, parce que c'est pratiquement le moment le plus chaud de la journée. Et là, il n'y a pratiquement pas d'air en bas, et c'est un peu le juge de paix du marathon à Hawaï, c'est là où ça se joue un peu. Et Luc Van Lierde est rentré à Energy Lab, il avait 4 minutes de retard. Quand il va en ressortir, il n'y aura plus que 2 minutes de retard sur Thomas Ellerigel. Et c'est là qu'il a compris qu'il pouvait faire quelque chose, alors que derrière, il y en a un qui est en train de faire un sacré truc, c'est Dave Scott. On le voit, on le reconnaît tout de suite, on reconnaît tout de suite sa foulée là, voilà. Pour ceux qui sont habitués à Dave Scott, c'est vrai, il a les genoux un petit peu, il a une foulée tout à fait caractéristique. En tout cas, efficace, hein, voilà. Parce que je vous le rappelle quand même, il a 42 ans Dave Scott, c'est vrai qu'on a tendance à répéter toujours ça un petit peu, mais c'est quand même un exploit exceptionnel qu'il est en train de réaliser là. Et vous parliez d'Energy Lab, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas Hawaï, c'est vraiment une région, enfin en tout cas... un endroit où beaucoup de choses se passent et dont on parle beaucoup parce que ça fait peur aussi à certains. C'est un endroit qui fait peur parce que c'est un peu la barrière du 30e kilomètre. Et ben, c'est là aussi qu'au niveau du marathon, eh bien, le marathonien commence à sentir un petit peu... c'est là où généralement on a le coup de barre. C'est là où on a le coup de barre et c'est là où ça devient véritablement très dur. Et Natasha Badman, elle, eh ben, elle est toujours aussi souriante. Alors, c'est une extraterrestre pour moi, Natasha Badman, parce qu'à chaque fois qu'on la voit sur un triathlon, quelle que soit la distance, quel que soit le contexte, quelles que soient les conditions, elle a toujours ce large sourire. Ça vous donne envie de faire du triathlon. C'est vraiment une excellente publicité. Hein. En tout cas, c'est une fille qui prend le sport pas dans son acception lutte, bagarre... elle prend ça comme un plaisir. Pour elle, c'est du plaisir. Et là, elle est en train de revenir sur Paula Newby-Fraser. Et c'est le départ d'un fabuleux coup d'à-coude. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout à l'heure, Paula l'a doublé une première fois. Elle est partie. Et là, des petites crampes pour Thomas Ellerigel qui commence à sentir le poids de la fatigue. Est-ce qu'il a... Je trouve ces images toujours très poignantes, très impressionnantes parce que lorsqu'on sait les efforts que sont capables d'endurer ces athlètes, c'est toujours impressionnant de les voir s'arrêter parce que vraiment là, on est au moins sûr d'une chose, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative. Il faut vraiment qu'ils s'arrêtent à ce moment-là. Effectivement, il a dû sentir qu'il commençait à avoir des crampes derrière les cuisses, aux ischio-jambiers. Et pour lui, il savait que la seule solution, c'était de faire une petite pause. Alors là, voilà, notre duel va pouvoir commencer, enfin continuer en tout cas, entre Natasha Badman et... Alors que là, le duel, il est en train de s'achever au niveau de Luc Van Lierde qui est en train de revenir très, très vite.
sur Thomas Hellriegel. C'est assez phénoménal cette course, hein, avec ces luttes pour la victoire qui se passent en tête de course. Et voilà, Luc Van Lierde, voilà, Van Lierde qui revient comme un boulet de canon sur l'Allemand qui... Et là, il va falloir passer, et là, il va falloir jouer à l'intox aussi. Ouais. Il a mal aux jambes aussi, Luc Van Lierde, c'est sûr. Lui aussi, il souffre de la chaleur. Lui aussi, il a mal, mais il a sûrement un petit peu moins mal que Thomas Hellriegel. Et là, il ne faut pas se retourner. Ouais, puis il a surtout pour lui le moral, hein, parce que c'est vrai que lorsqu'on revient si vite, il a la dynamique avec lui. Regard fixé vers son objectif, la ligne d'arrivée. Nous sommes dans la dernière portion du triathlon d'Hawaï, le mythique triathlon d'Hawaï. On est en train d'assister à deux duels fantastiques, à la fois chez les féminines et chez les masculins. Et là, on entend Natasha Badman qui m'a dit, qui disait, on m'avait prévenu que c'était quelque chose ici, c'est l'enfer autour de Energy Lab, mais je me sentais bien. Je me sentais tellement bien que j'ai commencé à chanter un petit peu. Je chantais pas très fort, mais je chantais avec mon cœur. Et je voyais l'eau, je voyais l'océan, c'était magnifique. Et ça m'a donné suffisamment d'énergie pour continuer. Le duel donc entre Natasha Badman et la néo-américaine Fraser, et Badman qui une nouvelle fois nous illustre de la plus belle manière qui soit la façon dont elle aborde la compétition. Alors que Karen Smyers, elle, ça va pas du tout, non, en revanche. Ça va pas du tout. Elle s'en est rendue compte assez vite, elle l'expliquera ensuite après lors de la conférence de presse, qu'elle a senti tout de suite que c'était pas tout à fait son jour, elle avait des troubles digestifs, ça passait pas très bien. Et puis bon, résultat des courses, si on n'est pas bien dès le départ, généralement on est rarement bien à l'arrivée. Si au 15e kilomètre c'est pas revenu, bon après c'est un peu de chance, hein, parce qu'on peut essayer de se refaire sur les 10 premiers kilomètres, mais si c'est pas revenu. Alors que lui, c'est bien revenu, Luc Van Lierde. Et pour lui, pas de souci, Luc Van Lierde. Rendez-vous compte, hein, pour sa première participation à Hawaï, il est en train de réaliser un coup fantastique et aussi, par la même occasion, de bouleverser certaines croyances ici à Hawaï. C'est vrai, Luc Van Lierde, il est en train de briser un petit peu tous les tabous qui régnaient autour d'Hawaï. Et là, on voit, c'est fabuleux la façon dont il court, parce que là, il m'avouait à la fin, j'avais très très mal aux jambes les derniers kilomètres. Ça a été véritablement terrible, tellement j'avais mal. Et là, il vole, Luc Van Lierde. C'est incroyable, incroyable. Voilà. Une joie immense est en train d'envahir Luc Van Lierde. Et le record de Mark Allen qui est battu, le record de l'épreuve qui est battu de près de 2 minutes, plus de 2 minutes 30. Et voilà, un débutant qui arrive, qui n'a jamais fait le moindre Ironman, qui n'a jamais couru un marathon, qui n'a jamais couru à Hawaï, et qui est là en train de remporter sa première participation. Il tombe dans les bras de Didier Volkart, un ancien triathlète, super triathlète belge, qui est aujourd'hui son entraîneur. Et Didier Volkart, j'étais avec lui à ses côtés sur la fin de la course, et c'était invivable pour lui. C'était invivable, parce que là, il voyait son ami et son poulain qui était en train de réussir quelque chose de faramineux. Alors qu'en deuxième place, c'est Thomas Hellriegel qui finalement aura quand même conservé sa deuxième place. Le temps de Luc Van Lierde, c'est le nouveau record 8.04.08. Le temps de Thomas Hellriegel, c'est 8.06.07. Lui aussi bat le record de Mark Allen. Il n'a rien à se reprocher, Thomas Hellriegel. Il a fait une course parfaite. Il a battu le record vélo, 4h24.50. Il a couru en 2h46. Qu'est-ce qu'il peut se reprocher? Il est tombé sur véritablement très très fort. Pas de chance pour lui, mais en tout cas, d'ailleurs, il est satisfait, hein, parce que personnellement, là, on n'en est plus à savoir si on finit premier ou deuxième. C'est déjà une formidable victoire par rapport à soi. Et surtout pour lui, effectivement, vous le disiez, il s'est amélioré pratiquement dans tous les secteurs. Donc, il sait qu'il a donné le meilleur de lui-même. Il sait qu'il a fait le maximum ce jour-là. Il est tombé sur plus fort que lui. Bon, c'est la course. Et qu'est-ce qui va se passer chez les femmes? Est-ce que Paula Newby-Fraser va revenir sur Natasha Badman? Elle est tout près, hein? Elle est tout près. Natasha Badman, dont le sourire s'est un tout petit peu figé, et dont on voit d'ailleurs la foulée est beaucoup moins aérienne qu'auparavant.
Mais tout ça est fort logique. Mais en tout cas, ce qui est plus inquiétant pour la Suissesse, c'est le retour doucement mais sûrement de l'américaine. Ouais, pour la Nubie Fraser, c'est vrai que bon, on se posait des questions parce que c'est vrai, bon, l'année dernière, elle avait eu cette terrible défaillance à 400 mètres de l'arrivée. En Australie, elle avait eu une défaillance. Au Canada, elle avait eu une défaillance et on ne savait pas si elle allait réussir quelque chose. Eh bien, alors que là, Dave Scott, regardez, regardez, il était 30e, il arrive 5e. Regardez cet homme parce que c'est la dernière fois que vous le verrez sur un Ironman d'Hawaï. Profitez de cette foulée unique. Et à quelle vitesse il termine ? Et à quelle le vitesse temps il termine. De Dave Scott, 8:28:31. Alors, le temps d'embrasser madame et les de bambins. De récupérer un peu quand même, hein, parce qu'il a besoin de quelques secondes. C'est vraiment, ça c'est vraiment très très impressionnant pour The Man, qui pour sa dernière participation, eh bien, réalise une formidable 5e place. Voilà, les résultats des messieurs. Luc Van Lierde, c'est la bonne surprise et la formidable surprise du côté belge. Devant Thomas Elrigel, l'allemand. 3e place pour Greg Welch, l'australien. 4e place, on retrouve Peter Reed, le canadien. Et puis 5e, vous venez de le découvrir, c'est Dave Scott, l'américain. The Man a toujours été au rendez-vous et il l'aura été une nouvelle fois dans cette 20e édition de l'Ironman d'Hawaï. Alors que du côté féminin, ce n'est pas encore terminé, mais que le combat eh bien, s'est resserré très fort entre Paula Nubie Fraser et Natasha Badman. Nubie Fraser qui, on s'en rendra compte un petit peu plus tard, a peut-être fait un bon choix qui était le choix de bien s'alimenter, surtout bien s'hydrater durant toute la compétition. Voilà, c'est vrai qu'à la différence des hommes où l'inexpérience de Luc Van Lierde ne l'a pas handicapé, eh bien c'est vrai que Natasha Badman va manquer un petit peu d'expérience et elle va courir un petit peu avec Paula Nubie Fraser. Et c'est vrai qu'elle ne va pas s'alimenter, et surtout elle ne va pas boire comme il l'aurait bien fallu. C'est vrai que pour elle aussi, c'est son premier Ironman, c'est son premier Hawaï. Elle n'a pas l'expérience consommée de Paula Nubie Fraser. Et pourtant, elle est toujours aux côtés de Paula Nubie Fraser. Vous voyez un combat qui va durer jusqu'au bout. Le visage de Paula Nubie Fraser beaucoup plus marqué que celui de Natasha Badman. C'est aussi une lutte psychologique. Ah oui. Le physique, bon, il est là et on fait avec ce qui reste. Mais le niveau psychologique, essayer de rester à la hauteur, essayer de l'impressionner, essayer d'être devant. Là aussi, ça se joue énormément à ce niveau-là. Et là, il faut être très très fort dans sa tête. Et ben, là, sur ce jour-là, ça sera sûrement Paula qui sera la plus forte dans sa tête. Voilà. Pour la Nubie Fraser, nouveau sourire et pour une fois on aurait pu débaptiser l'Iron Man pour l'appeler Iron Woman parce que véritablement ces demoiselles et ces jeunes femmes nous ont proposé un spectacle époustouflant, un duel au couteau jusqu'à la fin entre Paula Nubie Fraser et Natasha Badman. C'est la néo-américaine qui s'impose en 9h06:49. Devant donc la Suissesse qui aura un petit peu craqué à la fin, mais tout ça est bien compréhensible. Natasha Badman qui ne terminera qu'à environ 5 minutes de l'américaine. Mais là, Nubie Fraser est toute à sa joie. Et c'est vrai, hein, c'est un formidable retour après sa défaillance de l'année passée. Voilà, elle exorcise un peu tous ses démons là pour la Nubie Fraser parce qu'elle est venue là, elle ne savait pas trop quand même. Hein. Elle devait avoir quelques doutes dans sa tête, quelques angoisses. Et là, eh bien, elle exorcise tous ses démons en remportant cet Ironman d'Hawaï sans avoir à subir la moindre défaillance. Voilà, Nubie Fraser, nouvelle victoire. Natasha Badman, la Suissesse, en deuxième position. Troisième, on retrouve quand même Smyers, l'américaine. Quatrième, Ingraham, qui finalement s'en est bien sortie parce qu'elle était en grosse, grosse difficulté. Cinquième position pour celle qui était sortie en tête de la natation, c'est Ute Munkel, l'allemand. Wendy Ingraham, encore au pied du podium. Elle n'arrive pas à accrocher le podium. Ça fait plusieurs années qu'elle est au bord. Mais elle n'est pas encore montée dessus cette année. Natasha Badman à l'arrivée. Ouais, pas du tout déçue de sa deuxième place une nouvelle fois. Elle qui aborde la compétition de la meilleure façon qui soit. Et une nouvelle fois, c'est une image rafraîchissante que de voir ce radieux sourire de la Suissesse Natasha Badman. Un exemple pour nous tous. C'est au contrôle antidopage hein, qu'elle va avoir sa petite défaillance qui va faire qu'elle n'aura pas le temps de venir. Elle ne pourra pas venir à la conférence de presse. Mais bon, elle se remettra. Le lendemain, elle était à la remise des prix. Elle avait une démarche un petit peu douloureuse quand même, hein. Les jambes étaient dures, mais en tout cas,
c'était bien pour elle quand même, cette deuxième place, une magnifique deuxième place. En tout cas, Jean-Christophe, merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous, des moments de beauté, des moments d'effort, des moments de joie. Une 20e édition de l'Ironman d'Hawaï qui est maintenant terminée. On se retrouve l'année prochaine et puis sur Eurosport pour tous les rendez-vous du triathlon. Passez de bonnes fêtes et puis on se retrouve très très bientôt. Salut.